Mon projet de thèse en sciences sociales, il a porté sur les enjeux de la démocratie alimentaire à Nantes. Je me suis intéressé en détail avec des méthodes d'enquête ethnographique et d'analyse des politiques publiques au processus de participation aux transformations écologiques des politiques alimentaires territoriales. La principale difficulté qu'on a en matière de démocratie alimentaire sur le territoire nantais, mais je pense plus largement, peut-être au niveau national et certainement international, c'est celle de notre capacité à faire solidarité. Des deux côtés de la chaîne, on a des espaces de pauvreté très intenses, avec d'un côté des travailleurs agricoles pauvres et de l'autre des mangeurs urbains et ruraux qui eux aussi ont de grandes difficultés économiques. On parle environ sur Nantes d'un quart de la population qui a de grandes difficultés à choisir son alimentation. La démocratie alimentaire, c'est à la fois des questions de pratique collective, mais aussi des questions d'organisation et d'institutions publiques. Et donc ce qui est intéressant, c'est que à force des réseaux militants, citoyens, de porter ces enjeux dans l'espace public local à travers toute une variété d'initiatives et une montée en puissance des alternatives, c'est que les acteurs publics y ont répondu en structurant des espaces dans lesquels une culture de l'action collective est en train de d'émerger. Le fait même que ces espaces existent, je pense que ça peut nous donner un peu d'espoir sur notre capacité stratégique à transformer nos territoires d'alimentation. C'est des difficultés de financement, d'accès aux ressources. Pendant mon enquête de terrain, entre fin 2017 et fin 2019, chaque semaine, des personnes très différentes me parlaient de tout un tas d'initiatives qui avaient lieu sur le territoire d'alimentation. Et donc, on est vraiment dans un processus qui est foisonnant pour réinventer notre manière de lier l'assiette, le champ et les assemblées politiques. Et c'est vraiment cette dynamique qu'il faut essayer, à mon avis, de comprendre, c'est de penser la démocratie locale et les enjeux d'écologie dans la démocratie locale comme allant des cultures de la terre jusqu'aux cultures politiques des assemblées délibératives locales. À mon avis, il y a deux axes de travail fondamentaux. Le premier axe de travail, c'est celui de favoriser la reconnaissance par l'action publique locale de toute une variété d'initiatives, de sorte à ce que une variété beaucoup plus large de citoyens et de projets puisse être prise en considération dans les transformations écologiques du territoire d'alimentation. Le deuxième axe de travail, c'est de passer une étape majeure en termes de reconnaissance du lien écologique fondamental qu'il y a entre les villes et les espaces agricoles qui forment leur territoire d'alimentation. Le Food Socioscope, c'est un outil de mise en réseau des différents porteurs, porteuses de projets. Et ici, en tout cas, il a déjà fait ses preuves puisqu'il nous a permis d'échanger avec sa référente territoriale, qui est une élue nantaise à la métropole, sur les enjeux de transformation écologique de notre territoire d'alimentation.